Bonjour et bienvenue dans ma toute première vidéo. Donc aujourd'hui, je vais jouer à Halo 4. Halo 4 qui est sorti il y a un mois à peu près, qui est sorti le 6 novembre. Même si des fans d'Halo ont acheté le jeu comme moi un petit peu avant, on va dire. Donc voilà, donc aujourd'hui. Je vais vous présenter une des parties de jeu de guerre. Donc, c'est parti, on va aller dans l'Affinity, qui est le mode Xbox Live. Hop, les jeux de guerre. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le mode SWAT. Alors, ce qui est pas mal par rapport aux autres Halo, c'est que toutes les semaines, en fait, il y a des mises à jour, il y a des nouveaux modes de jeu, les épisodes de Spartan Ops qui correspondent un peu aux opérations spéciales dans Call of Duty, ce qu'il n'y avait pas avant, et c'est vraiment ça change beaucoup le gameplay d'Halo et ça donne un peu de renouveau et c'est vraiment pas mal. Donc voilà. Donc le mode SWAT, c'est un mode un peu pour les pros, on va dire. On a le choix entre deux classes différentes. Donc DMR SWAT et FC SWAT, avec le Magnum en arme secondaire et le DMR ou l'autre arme un peu similaire. Éliminer l'équipe ennemie. L'autre arme un peu similaire au DMR. Et donc dans ce mode en fait, on n'a pas de bouclier. Donc ce qui fait que si on se fait tirer d'un tir à la tête, on meurt d'un coup. Ce qui rend les choses assez difficile pour survivre, on va dire. Donc voilà, c'est parti. Bon ben, on va chercher l'équipe adverse. Je trouve encore personne pour l'instant. Pourtant, ici, ils sont quatre aussi. Dans ta face. Hop, voilà. Double Le frappe. deuxième. Assassinat Assassinat pour bien faire. Tiens, allez, je croyais qu'il allait rester. On met haut. Pour qui? C'est notre camp, tout ça va. Ah, d'accord. S'ils veulent la jouer comme ça. On va la jouer comme ça. Bon, plus personne dans notre camp, c'est bon. Ah, bah bon, on va faire assassiner, tiens.
très chaud encore aujourd'hui, c'est ma première partie. Donc je me chauffe un peu quand même. Vous êtes en tête. Ça m'a fait un peu exploser la vie. Vous n'êtes plus en tête. Ouais. Bon allez, fini de rigoler. Il reste 5 minutes. Sans tête.
Vous êtes en tête. 5 frags pour gagner. Ah, une petite folie meurtrière. Ça fait du bien de temps en temps. Victoire, prochain frag. Ah. Suicide. Partie terminée. Victoire. Donc voilà un peu le mode swap. C'est un mode un peu chaud. Si on tombe sur des joueurs assez expérimentés, on peut pas faire grand chose. On se tape un peu la honte. Voilà. Donc c'est un peu tout pour le mode swap.